Bonjour, votre horoscope du 25 mai, Balance. Énormément de projections pour vous, hein. Ces projections ne vous rassurent pas du tout. Vous doutez de quelque chose, de quelqu'un. Je pense sincèrement qu'il y a un nouveau projet qui vous interpelle, qui vous tient vraiment à cœur, mais vous doutez. Vous doutez de la réussite, vous doutez de comment vous y prendre, vous doutez en tout cas de comment trouver les moyens, en tout cas les outils pour pouvoir réaliser cet objectif. Il y a certainement pour quelqu'un aussi quelques problèmes à régler avec un enfant en particulier. Il y a certainement besoin de retrouver en tout cas un peu d'insouciance dans cette situation où vous vous trouvez face à cet enfant ou tout simplement face à ce projet que vous manque certainement quelque chose pour pouvoir réaliser. Mes chers amis, prenez le temps nécessaire, prenez les informations nécessaires, faites en sorte que vous puissiez trouver la solution ou les solutions qui vous permettent de pouvoir ou essayer en tout cas de régler ce conflit avec cet enfant. Hein, que ça peut être tout simplement un enfant voilà, qui est en train de grandir et que, il est en train de forger son caractère et que ce n'est pas du tout facile, surtout avec certains jeunes de nos jours. Alors, rien n'est impossible, vous le savez. Essayez tout simplement de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Essayez tout simplement aussi de travailler sur vous, sur la personne, ce qui veut dire comprendre aussi le comportement. Après, si c'est un objectif professionnel matériel, mettez vos chances de vos côtés en essayant de prendre des renseignements et ce projet, tout doucement, pourra se réaliser. Pour les amis béliers, il y a énormément de possibilités aujourd'hui, hein. Il y a énormément d'opportunités à saisir pour vous. Ça peut être une nouvelle proposition de travail, des nouvelles que vous attendez qui vont être très positives. En tout cas, c'est une journée où vous pourriez réussir pleinement ce que vous voulez attendre. Une nouvelle rencontre peut-être pour quelqu'un, mais certainement des opportunités qui vous sont favorables à long terme. Donc, ce qu'aujourd'hui se présente à vous, hein, étudiez bien la proposition. Et vous verrez que c'est votre destin de toute façon. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Donc aujourd'hui, de nouvelles opportunités pour vous que vous devriez saisir vraiment avec énergie, avec énormément de satisfaction. Certainement ici, il y a des récompenses pour l'investissement aussi que vous vous êtes donné, hein, par exemple sous plan pro. Pour les amis Cancer, alors, on me dit qu'aujourd'hui, quelqu'un d'entre vous sera un peu triste, va s'isoler. Probablement c'est une femme ou alors c'est à cause d'une femme hein, que le cœur peut-être voilà hein, souffre un tout petit peu. Ça pourrait être un lien avec une séparation. Il y a besoin de se mettre d'accord pour le partage des biens, pour la garde des enfants. Il y a besoin tout simplement aussi de s'asseoir à table, de parler, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe et comment sortir de cette souffrance. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement et qui vous fait souffrir. Et je pense que ça peut être aussi peut-être tout simplement un lien avec une femme. Après, bien sûr, on peut toujours adapter aussi un homme qui, en fait, on n'arrive pas à se comprendre. Donc, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin tout simplement aussi de prendre en considération le comportement et les dits de l'autre. Et c'est de cette façon-là, en communiquant, que vous pourriez trouver la conciliation qui va vous aider, en tout cas, à mettre un peu de tranquillité sur cette relation. Donc, si vous êtes triste à cause d'une relation, essayez de parler. Si la personne ne veut rien savoir, mes chers amis, remettez-vous debout. Hein, parfois, il vaut mieux s'éloigner de certaines personnes que de rester, parce que ce sont des personnes qui, en tout cas, vont vous faire vibrer bas et vont retarder énormément de choses dans votre vie parce que vous serez plutôt porté à réfléchir, voilà, à vous mettre dans un petit coin parce que vous ne comprenez pas, à pleurer, à vous poser tellement de questions mais sans jamais trouver de réponse. Alors envisagez peut-être qu'il y a une situation, une relation qui a besoin que vous y mettez de la distance. Pour les amis Capricorne, nouvelles opportunités, certainement dues à un échec précédent. Alors imaginons que vous avez fait énormément de demandes pour trouver un travail et que jusqu'à présent ça n'a pas payé. Aujourd'hui, certainement un changement pour vous. Il y a des nouvelles
des nouvelles opportunités sous tous les domaines de votre vie, hein. Mais je pense qu'au préalable, il y a eu quelque chose qui vous a mis en difficulté. Il y a eu quelque chose, en tout cas, qui vous a fait sentir bloqué, coincé, et vraiment peut-être même un gros échec sur sa personne, sur sa vie, hein. Mais aujourd'hui, tout cela est derrière vous parce que il y a une belle rencontre pour quelqu'un passionnel, hein. Donc, si vous avez vécu au préalable des échecs sentimentaux, aujourd'hui, vous pourrez rencontrer quelqu'un où vraiment il y aura une belle passion à l'avenir. Mais ça peut concerner tout simplement aussi le plan professionnel ou un objectif que vous avez, hein. Après avoir énormément fourni d'efforts, et ben, sans que rien ne bouge, aujourd'hui, il y a des possibilités qui vont vous permettre de faire évoluer cette situation ou cette relation. De toute manière, ça peut être aussi quelque chose de nouveau, mais qui va être évolutif dans le temps. Pour les amis Gémeaux, il y a une instabilité en cette journée, hein, du 25 mai. Cette instabilité, par contre, je pense qu'elle est due surtout à votre mental. Nous savons bien que les Gémeaux sont des signes d'air où le mental est très présent. Essayez de le calmer, de le canaliser, parce que finalement, cette instabilité aujourd'hui va être vite balayée. Il y a certainement un petit coup de chance, un soutien d'un homme, hein, ou alors c'est pour un homme, mais voilà, ce qui va vous permettre de retrouver la confiance, de retrouver la combativité, de retrouver cette vitalité qui est primordiale pour pouvoir vous accomplir pleinement et pour ne pas tomber dans le piège de ce mental. Aujourd'hui, on me parle de protection pour vous, hein. Vraiment la providence qui s'en mêle, hein, les dieux qui vous croyez. Donc, même s'il y a quelque chose qui est un terrain un peu instable dans une relation, dans une situation, en fait, ça va être très positif pour vous, d'accord? L'important, voilà, c'est l'échange, c'est la communication. Si vous vivez une instabilité dans une relation, communiquer, échanger, ça sera vraiment le moment idéal, ce qui permettrait ici de pouvoir certainement trouver des compromis et en tout cas, pourquoi pas tout simplement se réconcilier. Il y a besoin de ne pas s'enfermer dans son mental, mais plutôt d'échanger et de communiquer. Pour les amis Lion, c'est une journée de chance pour vous, hein. Il y a certainement un homme qui rentre dans votre vie ou un homme qui vient à votre secours, ce qui va vous permettre d'apporter un changement dans votre vie. Une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un, hein. Mais ça va être certainement aussi un changement qui peut vous amener à déménager. Vous allez peut-être rejoindre un homme qui vit loin de vous, ou alors tout simplement un homme Lion qui rejoint sa moitié qui vit à distance. Ce changement est très positif, c'est un coup de chance à saisir et la chance, elle est très forte pour certains d'entre vous aujourd'hui. Donc saisissez-la et c'est vraiment aussi le soutien de quelqu'un qui peut vous aider à affronter une problématique. Donc mes chers amis, aujourd'hui, soyez un peu plus serein ou sereine si vous faites face à des soucis parce qu'il y a certainement quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être tout simplement un banquier si vous avez fait appel pour un crédit, par exemple. Mais voilà, aujourd'hui, certainement, on va vous tendre cette main, une main que vous devez prendre sans hésiter. Pour les amis poissons, on me parle d'un nouveau projet, on me parle d'annonce de grossesse pour quelqu'un. Pour certains d'autres, on me parle vraiment de quelque chose en gestation qui vous fait quand même un peu peur. Peut-être tout simplement que vous n'avez pas le soutien des personnes qui vous sont proches, hein, qui vous accusent de penser qu'à vous, que vous accusent d'avoir peut-être, voilà, de vouloir faire un pas plus grand que votre jambe et que vous n'envisagez pas éventuellement tout ce qui peut être derrière négatif. J'ai le sentiment ici qu'on vous accuse de penser vraiment à vous. Il y a quelque chose que vous voulez créer, que vous voulez en tout cas aller chercher pour votre stabilité et quelqu'un certainement ne la voit pas de la même façon. D'ailleurs, tout cela, ça vous impacte et je pense aussi qu'il peut y avoir quelques petits accidents pour quelques amis poissons. Mais on va vous dire que c'est de votre faute. On va vous dire que c'est vous qui n'avez pas fait attention. C'est vous que vous êtes maladroit ou maladroite. Donc aujourd'hui, ouvrez les yeux sur les personnes qui sont autour de vous, surtout si vous avez des projets en tête pour évoluer et pour pouvoir certainement vous bâtir, construire quelque chose à long terme qui soit positif pour vous, hein. Faites abstraction de qu'est-ce qu'on peut penser de vous. Le jugement des autres parfois peut être toxique, mais surtout faites attention, hein, à ne pas vous faire mal, à qu'est-ce qui pourrait. Alors aujourd'hui, disons que pour quelqu'un, pas pour tout le monde, hein, c'est peut-être tout simplement aussi ces mauvaises pensées de ces personnes qui ne sont pas d'accord avec un projet que vous avez, hein, qui peuvent en fait vous créer des petits soucis, des petites infortunes, des petits accidents. Donc ça peut être tout simplement peut-être de la vengeance de quelqu'un. Donc vous embêtez toute la journée. Par contre, vous pouvez compter sur le soutien des amis et de la famille. Donc voilà, si vous avez
avez quelque chose en tête et que pour vous, c'est vraiment votre priorité, n'hésitez pas à vous confier et à parler avec les personnes que vous savez que vous soutiendront. Si quelqu'un d'autre ne le fait pas, c'est qu'il n'en veut pas la peine et surtout qu'il ne vous mérite pas. Pour les amis Sagittaires, aujourd'hui pour vous, il y a des pensées qui vous ramènent certainement sur un passé. Hein, un passé qui vous embrouille un peu l'esprit, un passé qui vous fait douter de vous, qui vous fait perdre confiance. On a peut-être tout simplement par le passé été trahi, déçu, hein, énormément par une personne. Et aujourd'hui, ça remonte et ça vous met dans un état transitoire entre réalité et rêve en fait. Hein, vous ne savez pas, c'est comme si vous vous perdez en route et vous ne savez pas si qu'est-ce que vous avez vécu. Ça peut être vraiment la vérité, la réalité ou si voilà, c'est juste un mauvais rêve. On commence à douter de certaines choses, on commence à douter de certaines personnes. Il y a certainement besoin ici, mes chers amis, de lâcher prise, d'accord? Donc aujourd'hui, entourez-vous de personnes qui peuvent... vous faire quelque part, hein, ne pas tomber dans ces souvenirs, dans qu'est-ce qui remonte, travailler sur vous. Si après la problématique est sur un lieu de travail, essayez de prendre un jour, deux jours de congé, des RTT, je ne sais pas, mais travailler sur vous et essayez vraiment de canaliser ces émotions qui remontent. Pour les amis Scorpions, hein, soyez très lucides sur votre relation amoureuse. Pourquoi? Parce que certainement, alors ça peut être vis-à-vis d'un homme, comme l'homme, ça peut être vous. C'est une relation peut-être pour laquelle vous vous êtes battu, hein, par laquelle il a fallu s'investir énormément. Alors aujourd'hui, on vous demande d'y apporter un regard très lucide, de vous écouter. Et c'est ce qui permettra d'apporter à cette relation un changement. Hein, un changement, parce qu'ici il y a certainement pour quelqu'un une instabilité dans cette relation. On a fait des efforts, on s'est battu, on a voulu en tout cas défendre ce qui était défendable, on a tout fait pour garder, mais à un moment donné il faut se mettre face à la réalité. Maintenant c'est très instable, il y a peut-être une crise qui est un peu compliquée. Pour pouvoir y apporter un changement, mes chers amis, il va falloir que vous ayez une prise de conscience, mais surtout une clarté d'esprit, parce que c'est grâce à cette clarté d'esprit, en vous écoutant, que vous y apporterez un changement. Alors les changements, bien sûr, hein, nous ne mentons pas, il n'y en a que deux. Ça passe ou ça casse. Donc je pense que vous déciderez quoi faire de cette relation que certainement au quotidien devient un peu pesante. Pour les amis Taureaux, alors les amis Taureaux, pour vous, il y a le retour d'un être cher ici. Ça peut être un ex, comme ça peut être tout simplement un membre de votre famille, même un ami, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui s'est éloigné, peut-être à cause du travail, je ne sais pas, hein, ou pour, tout simplement qui est parti vivre un peu plus loin, à l'étranger. Aujourd'hui, en tout cas, il y a un retour dans votre vie. Et je pense que ce retour de cette personne vous mettra vraiment énormément de joie. Hein. Vous allez certainement fêter ce retour. C'est peut-être un retour surprise, comme tout simplement, ça peut être le retour d'un ex. Et là, c'est pareil, mes chers amis. Si c'est qu'est-ce que vous attendiez, la réconciliation est possible et ça vous fait énormément de bien. Pour certains, c'est vraiment le retour de l'être aimé. Peut-être quelqu'un qui vit loin pour travailler, hein, pour amener de l'argent à la maison. Donc, restez sous cette prospective qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous pouvez avoir tout simplement aussi des nouvelles. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient avec laquelle vous avez interrompu des rapports, mais ça vous fera plaisir de revoir cette personne. C'est peut-être même qu'est-ce que vous attendiez que cette personne revienne. Et pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un, en tout cas, qui s'est éloigné pour une X raison, qui revient. Mais dans tous les cas, bien sûr que ça ne parlera pas tout le monde parce que pas tous les retours et les réconciliations sont bonnes. Mais ici, en tout cas, on me parle de joie, de célébration et de fête. Donc, certainement, le retour de cette personne vous fera un grand bien. Pour les amis Verseau, pour vous, il y a certainement besoin de trouver des compromis ou surtout de se décider à acter dans la matière des officialisations de suite d'un divorce, d'une séparation. Peut-être tout simplement, c'est voilà, on quitte un travail, on a démissionné, le contrat est fini. Aujourd'hui, on va officialiser ces choses-là. Il y a certainement eu des difficultés, hein, sous le plan pro, sous le plan peut-être aussi tout simplement pour l'achat d'une maison. Hein. Il y a eu des difficultés, en tout cas dans un domaine de votre vie, duquel il a fallu y renoncer. On s'est séparé, on s'est éloigné de la personne, on s'est séparé de ce travail, on doit renoncer à ce projet. Aujourd'hui, il y a la finalisation, quoi. Il y a les signatures pour mettre fin à cela. De toute manière, l'homme dit qu'on va prendre la parole
on va dire ce qu'on a à dire, sous qu'est-ce qui s'est passé, sous cette séparation, hein, sous cet éloignement, sous cet crédit qui est refusé. Hein. Mais c'est positif pour vous, parce que certainement, vous savez, quand vous ne pouvez pas obtenir quelque chose, c'est que l'univers prévoit autre chose pour vous. Donc ici, aujourd'hui, il y a l'officialisation de certains papiers, dans le sens qu'on va signer des papiers, mais c'est pour eux. Ou une séparation, ou tout simplement pour quelque chose qui ne peut pas vous être accordé, qui ne se fait pas. Ne vous inquiétez certainement pas parce qu'il y a autre chose derrière. On vous protège en fait. Donc je pense que qu'est-ce que vous voulez obtenir si vous ne l'avez pas, c'est parce qu'il y a mieux pour vous et ça vous évite des problèmes. Après bien sûr que si nous parlons d'un divorce, il est temps peut-être tout simplement d'accorder ce divorce, d'accorder ce partage, ce qui vous permettrait vous de pouvoir vous reconstruire et de pouvoir tourner une page. Pour les amis de la Vierge, c'est une journée avec des problèmes en lien avec votre famille ou un héritage. Et alors, si vous avez un cours, par exemple, un partage d'héritage, hein, aujourd'hui, il y a énormément de petits pépins, d'accord? Il y a énormément de petits pépins, mais ça peut être aussi avoir des problèmes avec sa propre famille, peut-être surtout avec des parents, des ancêtres ici, hein, les racines. Un problème dans son foyer, mais avec les parents. Il y a peut-être des malentendus, il y a peut-être tout simplement énormément de problèmes. Ces problèmes peuvent aussi représenter une problématique de vos parents, hein, dans le sens que, voilà, aujourd'hui, il y en a peut-être un qui se fait mal, il y en a un qui aura un accident, d'accord? Mais je pense tout simplement aussi que de toute façon, ça sera plus de peur que de mal, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose, je ne sais pas, vous avez un parent, quelqu'un qui tombe, ou alors une journée très noire pour un de ses parents, mais ça peut être aussi la vôtre, cette journée noire, hein, vis-à-vis de vos parents, peut-être, voilà, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose, peut-être qu'il y a une problématique, un lien avec un héritage parce qu'on parle d'argent, voilà. De toute manière, une tranquillité revient dans ces liens et surtout dans cette situation que, à l'apparence, peut être quand même compliquée. Vous allez gagner dans le sens que vous allez finalement retrouver la paix, la tranquillité ici. Hein. Donc, je pense qu'il y a certainement, comment dire, le retour du karma. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai fait le tirage ici, j'ai vu énormément de problèmes, hein, des accidents, de la mauvaise sort, de l'acharnement, vraiment comme si on veut vous voler aussi quelque chose. Hein. C'est un lien avec un héritage, peut-être un héritage qui sera à venir, ou un lien vraiment avec vos parents, donc une problématique avec vos parents, ou alors c'est vos parents qui sont dans cet état-là. Donc, bien sûr que tout cela peut éventuellement vous affecter, mais je pense que vous allez réussir à trouver une tranquillité, ce qui veut dire que certainement, plus de peur que de mal. Donc, s'il y a un parent qui souffre, qui se fait mal, qu'aujourd'hui a une journée très difficile, bon, on va quand même souffler, hein. Ça va rentrer dans l'ordre, et encore une fois, ça sera plus de peur que de mal. Si c'est des problèmes qu'avez-vous avec ses parents, ou avec un héritage, hein, que vous envisagez en parlant déjà avec eux, ou avec d'autres frères et sœurs, vous allez en tout cas vraiment retrouver une tranquillité rapidement, d'accord? Parce qu'encore une fois, si c'est question d'argent, je pense ici qu'on me dit qu'il y a des amis vierges qui n'en ont rien à faire, d'accord? Donc, c'est vraiment des échanges qui peuvent être pesants pour quelqu'un d'entre vous, mais cet échange sera bénéfique pour vous, hein, ça vous permettra de trouver le calme, d'accord? Ça va vous rassurer si c'est quelque chose qu'aujourd'hui vivent vos parents, hein, et ça va vous rassurer certainement dès le début d'après-midi, voire en soirée, si après c'est une problématique, voilà, avec un héritage, des biens, des désaccords entre vous et vos parents, en fin de journée en tout cas, vous allez lâcher prise et vous allez vous sentir mieux. Voilà mes chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et à demain.